perfect time is now. Let me not be ignorant. Don't give me a ministry, give me you. I don't want to walk, I want a life. Don't give me a ministry, give me you. Take me from the stage and help me learn your part. That I will walk there in every second of my life. Mana hasando. Abena rasaka. My lover, Osa.
And now he is my spirit. Is my spirit così gilava in avina so caba e rabesa monahabo cabe. I've been born with a bride. Now I'm no longer mine, for the life that I have is Christ, not I. I've been bought with a price. Now I'm no longer I, for the life that I have is Christ, not I. Cause I belong to you. Oh, I, you belong to me. Shalom. Est-ce que l'on m'entend? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, que Dieu te bénisse? Et bonsoir. Bonsoir à ton voisin. Dis-lui, voisin, que Dieu te bénisse. Je vois de nouvelles personnes. Sûrement, vous êtes là depuis soit aujourd'hui, depuis quelques jours. Que Dieu vous bénisse également. Alors, nous sommes le ministère BTS. Ministère d'impact, transformation surnaturelle. Et on rentre beaucoup sur la plateforme des médias. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, ladies and gentlemen, j'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. Et j'aimerais que de là où tu es, tu essaies de bien voir autour de toi s'il y a des éventuels bruits ou s'il y a des éventuelles perturbations. Si c'est le cas, tu t'éloignes simplement. Tu te mets dans un environnement propice pour la prière, pour la parole, selon que l'Esprit de Dieu nous orientera ce soir. Donc, je vous invite à prendre une posture de prière, quitter là où il y a du bruit, mettez-vous dans un lieu propice pour la prière,
afin que rien ne puisse vous désorienter. Si c'est le cas, si tu t'es déjà mis dans le lieu qu'il faut, tu peux me dire, je suis prêt, je suis prête. Tu peux mettre en commentaire, je suis prête, ou je suis prêt. Jesus. Alors, je sais que sûrement je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Vous savez, Dieu je vais vous raconter mon histoire et après on va prier. Partie de mon histoire. Je suis né d'une famille pastorale et quelquefois, nous en tant qu'enfants de pasteur, on pense que le Dieu que notre père prie, c'est aussi notre Dieu. On pense quelquefois que, à cause de notre Père, on ira au ciel. Premièrement. Deuxièmement, j'ai grandi dans la musique, j'ai grandi dans l'église. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et il m'arrivait de penser que, parce que je suis fréquent à l'église, parce que je fais de la musique, il m'arrivait de penser que, parce que je suis dans beaucoup d'activités ecclésiastiques, je connais Dieu et Dieu me connaissait. Troisièmement, il m'arrivait de penser que la manifestation de Dieu ou la puissance de Dieu, c'était d'avoir deux, trois sensations comme on l'a parfois, ce que moi j'aime appeler le piment. Dans les titititi et les tatatata. On arrivait de penser que c'était ça la puissance de Dieu. On arrivait de penser que ceux qui vivent ces choses, assurément, ont une connexion. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il m'arrivait de penser également que le fait de mémoriser, parce que j'aimais lire la Bible, parce que le fait de mémoriser les versets, de les citer à chaque fois, faisait de moi un grand chrétien. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que on peut faire toutes ces choses. On peut être un enfant d'un diacre, d'une famille chrétienne ou non. Aller à l'église, avoir des sensations. On peut même entendre Dieu. On peut même prophétiser. Mais dans tout ça, Dieu n'est pas avec nous. Ladies and gentlemen, ce soir, j'aimerais vous interpeller afin de vous dire l'une des choses qui fera en sorte où le chemin qui vous emmènera vers Dieu, ce n'est pas le nombre de vos fréquentations ecclésiastiques. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le nombre de vos fréquentations ecclésiastiques. Ce n'est pas le nombre de vos relations avec les prophètes, les pasteurs et les prophètes et les apôtres. Ce n'est pas le nombre des textes bibliques que vous connaissez. L'une des choses, la première chose inéluctable et indiscutable qui vous emmènera vers Dieu. Elle est simple. Elle est très simple, mais très difficile à appliquer. Je reprends. Elle est très simple, mais très difficile à appliquer. Cette chose n'est tout simplement que le sérieux. Le sérieux avec Dieu.
le sérieux avec Dieu. Et dans ma marche, il m'est arrivé un jour de tester. Je me suis dit, je vais un peu essayer. Je vais un peu être sérieux avec Dieu pendant un temps et voir les résultats. J'ai fait près de 10 ans, je ne sais pas combien d'années à Mouila. J'ai commencé à être sérieux avec Dieu. Je priais. Pendant les vacances, je ne sortais pas au-delà de... Je ne sortais pas avant 12 heures de ma chambre. Je méditais les Écritures. Je priais. J'allais prier sur des montagnes avec des frères, avec des mentors. Et je vous assure, à cet instant, j'ai commencé à vivre Dieu. J'ai commencé à expérimenter Dieu. J'ai envie de te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'emmène dans cet élan. Les programmes de l'Église, c'est bien. Mais au-delà de ça, il faut vivre Dieu. Tu commenceras à vivre Dieu quand tu vas apprendre à être sérieux avec Dieu. C'est quoi être sérieux avec Dieu? Le sérieux avec Dieu t'emmènera déjà à faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. C'est quoi être sérieux avec Dieu? C'est que quand tu dois lire ta Bible, tu lis ta Bible, tu laisses WhatsApp. Quand tu dois prier, tu pries, tu te concentres dans la prière, tu laisses les perturbations. Quand tu pries, personne ne te dérange. Le sérieux avec Dieu, c'est quoi? C'est que quand tu dois aller, tu dois jeûner, tu jeûnes. Apprendre à être vrai, il y a plusieurs, je l'ai été. Il y a plusieurs personnes qui sont fausses avec elles-mêmes, qui se mentent à elles-mêmes. Excusez-moi de vous parler ainsi. Il y a plusieurs personnes qui sont fausses avec elles-mêmes. C'est-à-dire, toi, tu fais des choses, mais tu es fausse avec toi-même. Tu sais très bien que le jeûne que tu es en train de faire, c'est la grève de la faim. Tu ne jeûnes pas. Mais tu te fais croire que tu jeûnes. Tu pries. Pendant que tu pries, ton téléphone sonne, tu réponds au message. Après, tu reviens prier. Tu penses que tu es vrai. Tu es fausse avec toi-même. Tu sers Dieu. Et tu as encore des petits copains, des petits trucs. Tu fais des choses là-bas. Tu es fausse avec toi-même. Je parle pour vous et je parle pour moi. Et les amis, dans tout ça, le pasteur te connaît, le prophète te connaît, l'évangéliste te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. L'église te connaît parce que tu chantes tous les jours, mais Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Et là où nous sommes en train de partir, Église, ce soir j'ai envie de te dire, est-ce que Dieu te connaît? Pose-toi la question, est-ce que Dieu me connaît? Les amis, tu peux aller à l'église tous les jours. Tu peux avoir des grands pasteurs comme amis, connaissances. Tu peux donner ta dîme, faire des offrandes. La grande question, c'est est-ce que Dieu te connaît? Don't give me a ministry, give me you. Est-ce que Dieu te connaît? I don't want the walk, I want a life. Quand tu commences à être sérieux avec Dieu, instinctivement, le mensonge sort de ta bouche. C'est aberrant, écœurant, lamentable de voir des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui mentent naturellement. C'est aberrant, lamentable de voir des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ont la lassitude, la facilité d'embrasser une fille ou un homme, dehors. C'est lamentable de voir des personnes qui se disent des chrétiens, qui volent naturellement, qui trichent à l'école sans remords,
C'est lamentable. La question que je te pose, est-ce que Dieu te connaît? Et est-ce que tu as réellement touché Dieu? Est-ce que tu as réellement touché Dieu? Let me check you. C'est lamentable et c'est écœurant de voir une personne qui dit qu'elle cherche Dieu. Elle est chrétienne, mais elle a du mal à pardonner son voisin. Un chrétien, une chrétienne qui est rancunière, qui est colérique, qui dort fâché. Excusez-moi, est-ce que réellement on a touché Dieu? Je nous pose la question. Regardez combien de fois même ceux-là qui ont frappé Jésus, Jésus ne les a pas gardé rancune. Est-ce que réellement on a touché Dieu? Au-delà de mes propos, entre en toi-même. Et pose-toi la question, Père, est-ce que tu me connais? Pose la question à Dieu, est-ce que tu me connais? Il t'a mis ton cœur, est-ce que tu es vrai avec Dieu? Est-ce que tu as touché Dieu? Est-ce que tu as touché Dieu? Donc, je te pose la question, est-ce que tu es vrai avec Dieu? Aujourd'hui, les plus grands voleurs, c'est les chrétiens. Les plus grandes menteuses, ce sont les chrétiennes, les chrétiens. Les plus grands fornicateurs, les chrétiens. Les plus grands voleurs, les chrétiens. Il y a plus de nec dehors qu'à l'église. Les orgueilleux et orgueilleuses, les chrétiens. Les sournoises, chrétiens. Les esprits de Jézabel sont beaucoup chez les chrétiens que chez les personnes dehors. Est-ce qu'on a touché Dieu? Non, est-ce que réellement tu sers Dieu? De nos jours, il est facile à l'extérieur d'écouter un païen dire: waouh, j'ai été blessé, tu m'as fait mal, mais je te pardonne. C'est facile. Or, écouter un chrétien dire ça, c'est difficile. Je ne peux pas imaginer que tu pourrais me faire une chose pareille. Je ne sais pas si je vais te pardonner un jour. Et tu as brisé mon cœur, chrétien. Chrétien. Hey! Nous disons, nous sommes des chrétiens. Deux questions. Est-ce que Dieu te connaît? Et est-ce que tu connais réellement Dieu? Désolé si je te choque, mais le Dieu que je sais, le Dieu de la Bible, si un jour tu l'as connu, je le dis et je le redis, il n'y a rien sur cette terre que tu ne pourras pardonner. Tu pourras ne pas pardonner. Ça va être difficile comme quoi tu finiras par pardonner. Tu ne peux pas avoir touché Dieu et demeurer un voleur, une voleuse. C'est impossible. Une tricheuse, c'est impossible. Menteuse, menteur. Fornicatrice, teur. C'est impossible. Mon ami, écoute. Si tu constates que tu te retrouves dans ce que je dis, et que tu as atteint une dimension où tu fais ces choses avec la notion selon laquelle Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. Écoute, il te pardonne. Dieu pardonne tout le monde. Dieu pardonne tout le monde. Même les païens, Dieu pardonne. Même un païen qui a tué, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui dit: Père, pardonne-moi. Dieu va lui pardonner. Parce qu'il est amour. Il pardonne tout le monde.
Mais il peut te pardonner, mais ne pas te connaître. Il te pardonne parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il peut te pardonner, mais ne pas te connaître. En fait, il ne te pardonne pas à cause de toi. Il te pardonne à cause de Christ. Donc, Christ est la personne qui fait en sorte que Dieu pardonne ton péché. Mais Dieu ne te connaît pas. Quand tu pèches et que tu dis pardon, Jésus là-bas dit, papa, s'il te plaît, regarde, je suis mort à cause d'elle. S'il te plaît, pardonne. Il regarde Christ et il pardonne. Il pardonne. Mais quand est-ce toi-même tu vas arriver au niveau où Dieu te parlera face à face comme Moïse? À quel niveau? À quel moment tu vas arriver au niveau? Écoutez, francophonie, brisons les tares, la mentalité attardée qui nous retarde là, permettez-moi l'expression. Brisons ça. Brisons la notion selon laquelle je suis jeune, je fais ma vie et après, avant de... quand je serai vieux, je vais servir Dieu. Arrêtons ça. Brisons la mentalité selon laquelle je peux pécher mais repentir. Arrêtons ça. Ce sont les païens qui réagissent comme ça. Les païens enseignés dans l'église qui se comportent comme ça. Il y a deux catégories de païens. Il y a des païens qui n'ont jamais connu Dieu et des païens qui connaissent Dieu qui sont enseignés. Et ce sont ceux-là qui se comportent comme ça. Dieu sait que je suis un homme, une femme. Il sait que je ne peux pas pardonner. C'est plus fort que moi. Arrêtons. Je sais que nous sommes ce soir, dans toute cette semaine, dans la notion du combat spirituel. Au-delà du programme, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Les amis, c'est Dieu qui te parle. Je n'avais pas prévu dire ça. Mais si l'Esprit m'emmène à te parler ainsi, c'est parce qu'il désirait parler au travers de moi. La chose la plus importante, au-delà de ton travail, au-delà de ton job, de ton mariage, de tes enfants, la chose la plus importante, c'est ta relation avec Dieu. Pas ta relation avec l'église, pas ta relation avec le prophète, pas ta relation avec le pasteur, pas ta relation avec les chantres, avec la musique chrétienne, pas ta relation avec Dieu. Esprit, ITS, Église, 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 Église. Vous savez, pour ceux qui iront au ciel, quand on sera au ciel, on ne sera pas amnésique. On sera conscient de tout ce qu'on a eu à faire sur la terre, au ciel. Et là-bas, ça me ferait plaisir de tous nous retrouver là-bas. Au ciel. Et sachant qu'il y a plusieurs manières d'y aller. Tu peux aller au ciel quand Christ reviendra au son de la trompette. Mais aussi, peut-être, c'est Christ qui me dit de te parler maintenant. Parce que peut-être demain, ils vont te prendre. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Demain, tu peux dormir. Demain, tu ne te réveilles plus. Et c'est Dieu qui m'a envoyé te dire ça. Il y a aussi une manière d'aller au ciel. Ou en enfer. Ou au séjour des morts. Écoute, quand tu connais Dieu, écoute, quand tu connais Dieu, tu comprends que la vie chrétienne ne se vit pas pendant des années.
Mais la vie chrétienne. Une personne qui connaît Dieu, elle comprend que ma vie chrétienne ne se vit pas tous les jours, chaque année, chaque semaine, mais elle se vit chaque jour. Ça veut dire, demain quand tu vas commencer là, prie. Sois sérieux, prie. Lève-toi en priant. L'une des choses qui a commencé à créer un boost dans ma vie, c'est quand j'ai appris à me sacrifier. Sacrifier mon sommeil, sacrifier mon corps, afin d'être réglé dans les heures de prière le matin. Mes amis, c'est autre chose. Aller à l'église et être réglé dans les moments de prière, avoir des cultes personnels avec Dieu, où tous les 3 heures tu le cherches, tous les 5 heures tu le cherches, tu as un jour ou 2 jours dans la semaine où tu jeûnes pour toi, tu as des moments où tu cherches Dieu. Là, tu comprends que la vie chrétienne est autre chose. Tu comprends que Dieu c'est au-delà des programmes. Plusieurs personnes, même pendant que je suis en train de parler, beaucoup ne me comprennent pas. Plusieurs même ont du mal à cerner ce que je dis. Mais il y a certaines personnes qui comprennent. Et ces personnes qui comprennent là ont eu déjà expérimenté ce que je dis. Les amis, c'est beau. Le matin, tu te réveilles à 3 heures. Tu pries. Et à 3 heures, Dieu te parle et te dit, ne va pas là-bas. Tu avais prévu aller au marché. Aujourd'hui, ne va pas. Il y aura un accident. Hey, c'est beau, les amis. C'est beau. Tu te réveilles à 3 heures. Dieu te dit, inspiré, tu sens que tu dois rendre visite à telle personne, tu dois appeler telle personne, parce que Dieu te dit appelle. C'est beau, c'est ce qu'on appelle être conduit par l'esprit. Je te pose la question, à quel moment tu as vécu ça? Est-ce que tu connais ce plaisir-là? Pas les plaisirs sexuels, pas les plaisirs de la chicha, le plaisir d'entendre la voix de Dieu le matin, le plaisir de marcher et Dieu te dit, ah, appelle tes soeurs, prie pour elles. Quand tu appelles, elle te dit, oh, je passais par des moments compliqués. C'est Dieu qui t'a envoyé ce plaisir-là. Pendant que tu es en train d'étudier, Dieu te dit, étudie telle matière, étudie tel chapitre. Et le lendemain, au devoir, c'est le chapitre-là qui vient. Ce plaisir-là, Dieu te dit, va, prie pour telle personne, elle est malade. Et quand tu arrives, elle est malade, tu pries, elle est guérie. Est-ce que tu connais ces sensations? La sensation d'être utilisé de Dieu, la sensation d'être conduit par Dieu. Est-ce que tu connais ce plaisir? Pas celui de 5 minutes et après tu regrettes. Pas celui de 2 minutes après tu pleures pour dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça c'est aberrant. Pas celui des commérages. Non, celui où tu as le désir, l'envie de rester là. Écoutez, c'est ce plaisir-là qui nous emmène à jeûner. C'est ce plaisir-là qui nous emmène à chercher Dieu. C'est ce plaisir-là qui nous pousse dans les retraites. C'est ce plaisir-là. Je vous parle du plus grand plaisir qui existe au monde, celui d'être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais ce dont je parle? Est-ce que tu connais ça? Il y a des personnes qui se posent la question, mais comment ils font pour prier des heures? Comment ils peuvent faire pour jeûner des jours sans manger, sans boire de l'eau? Comment ils peuvent faire, ils font pour prier une heure chaque matin? Les amis, il y a un plaisir. Ah, tu peux avoir les problèmes. Tu sens que l'acide n'agit pas. Mais à 3 heures, quand tu mandes, un moment, tu sens que tu es fatigué. Tu as mal au dos. Tu t'es mis à genoux. Tu n'as même plus envie de prier. Ton corps n'a plus envie de prier. Mais ton esprit tressaillit. C'est là où les paroles ne sortent plus. Tu es déjà dans les Mais plus tu le fais, tu sens qu'il y a quelque chose. Et quand tu te lèves le matin à 7 heures, tu sens que tu es rempli de l'esprit. Tu n'as même pas envie que les personnes dans le péché te touche. Tu as l'impression que c'est plus la terre sur laquelle tu marches, mais c'est l'air qui te porte. Est-ce que je parle d'esprit? Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu as l'impression que tu ne marches plus sur la terre. Ah, les êtres spirituels comprenant de quoi je parle. Tu as l'impression que c'est l'air qui te porte. Tu as l'impression que tu es trop léger. Tu es léger. C'est comme si tu veux même t'envoler. Parce que, hey! Ah!
parce que tu es rempli, tu as l'impression que une simple salutation peut bousculer l'ennemi. Tu as l'impression, est-ce que je parle aux esprits, est-ce que je parle aux êtres spirituels, est-ce que je parle aux gens qui veulent goûter au vrai plaisir qui est celui d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est au-delà des mots. Les mots ne peuvent pas expliquer. C'est inexplicable. C'est là où vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, il y a quelqu'un qui a été ravi. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Il a été ravi au troisième ciel. Il a vu des choses qui sont impossibles à expliquer. C'est là, c'est à ce moment où tu vois quand cette personne qui marche par l'esprit pêche. Elle pleure, elle regrette juste parce qu'elle a menti à quelqu'un. Elle dit, hey, Dieu, j'ai menti. Et un simple mensonge l'amène à s'enrouler, à pleurer. C'est parce que Dieu existe. I don't want to walk, I want a life. Est-ce que tu connais ça? Oh my God. Est-ce que tu connais ça? ITS, c'est ce que l'on doit vivre. ITS, c'est là où il faudrait qu'on arrive. C'est ce que l'on doit vivre. C'est à ce niveau qu'on doit arriver, on doit dépasser ça. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que les esprits me comprennent? Fleurie, ma fille, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que tu arrives. Marie, c'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Rebecca, c'est à ce niveau que tu dois arriver. Bro, c'est à ce niveau que tu dois arriver. Écoutez, c'est quand tu es à ce niveau, c'est là où les hommes ne savent pas expliquer. Les hommes charnels ne savent pas expliquer. Et c'est là où ils t'appellent super spirituel. C'est là où ils t'appellent, pour d'autres, ils t'appellent sorcier. D'autres t'appellent marabout. D'autres t'appellent fétichisme. C'est au niveau où tu peux appeler une soeur pour dire, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je suis en train de sentir que tu m'as critiqué. Elle va dire, hé, hey, qui t'a dit ça? Mais parce que tu es trop... Je dis, je suis en train de sentir que tu m'as critiqué. C'est là où pendant que tu es en train d'aller à l'école, tu ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu te dit, ne marche pas avec telle personne. Instinctivement, tu ne sais pas expliquer. Tu ne sais pas expliquer. Mais tu sens que telle personne, je ne dois pas me mettre avec elle. Tu sens que telle personne, femme, quand tu as ce niveau, tu ne te poses pas la question, papa, est-ce que c'est lui? Est-ce que je dois épouser? Non. Tu as dépassé ça. Quand tu as ce niveau, tu sais que lui, c'est ton homme. Tu sais que lui, c'est pas ton homme. Tu sais que lui, c'est un blagueur. Tu sais que parce que tu... Ah! C'est ce niveau-là. Donc, ITS, impact, transformation surnaturelle doit arriver. Impact, transformation surnaturelle. Est-ce que je parle aux chrétiens? Est-ce que je parle aux esprits? Sakararabada. Et la chose qui est extraordinaire, j'ai envie de vous, je vous parle du plus grand plaisir. Les amis, j'étais jeune. Je n'ai peut-être pas fait la vie,
Mais j'ai fait des choses. J'ai goûté à plusieurs plaisirs. Je vous dis, aucun plaisir n'est plus succulent que celui d'être conduit par le Saint-Esprit. Aucun. Oh! Aucun. Je le dis, je peux mettre, si vous voulez, dans le langage des hommes, ma main au feu. Aucun plaisir. Avec le Saint-Esprit, tu n'es surpris de rien. Tu es informé à l'avance des choses à venir. Au laquais, avec le Saint-Esprit, tu connais à l'avance. Tu n'es peut-être tu ne peux pas connaître, mais tu sentiras qu'il y a quelque chose de pas bien qui va arriver. Tu sentiras. C'est comme si quelqu'un va mourir dans la famille. Tu sentiras. C'est comme si dans mes études, il y aura quelque chose. Tu sentiras. C'est comme si dans ma relation. Et tu commences à prier. Tu es averti à l'avance. Il n'y a rien, je le dis et je pèse mes mots, qui peut te surprendre avec le Saint-Esprit. Tu sens ça à l'avance. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est juste les préliminaires. Permettez-moi. Maintenant, la chose qui est bon, magnifique, c'est que quand tu te mets à prier, tu te mets à prier, l'Esprit de Dieu te parle avec précision. Mais ce n'est pas tout. Mais la chose qui est encore esquisse, c'est que quand tu pries, une semaine plus tard, tu vois avec tes yeux, tu vois avec tes yeux que ce pourquoi tu as prié a été changé. Ah, et c'est beau. Tu as la sensation que Dieu te parle. Tu as la sensation que tu es connu de Dieu. Tu as la sensation que c'est-à-dire là où tu marches, Dieu est là. Tu as la sensation que Dieu n'écoute que toi. Tu as la sensation que tu es le bébé chéri de Dieu. Tu as la sensation que si tu ne pries pas, si tu ne connais pas cette sensation dont je suis en train de parler, je t'invite, viens. Si tu ne connais pas, je t'invite. Viens, on va gêner. Viens, on va chercher Dieu. Les amis, ce dont je suis en train de vous parler, je répète, c'est plus qu'une vie de sexualité. C'est plus que la cigarette. C'est plus qu'avoir les copines. C'est plus qu'un je t'aime venant d'un homme. C'est plus qu'un je t'aime venant d'une femme. Ce dont je vous parle. Oh. C'est là où vous ne pouvez pas comprendre. Les hommes de Dieu, beaux, jeunes, qui servent Dieu, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Nous aussi, on peut faire la vie comme vous. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi ils servent Dieu? C'est vrai, au début c'est difficile. Je ne veux pas te mentir. Quand il faut jeûner, tous les jours ce n'est pas la rose. Quand il faut prier, tous les jours on n'a pas envie de prier. Quand il faut lire la Bible, tous les jours on n'a pas envie de lire la Bible. Mais ça c'est le prix à payer. Mais après ça, la chose qui est sensationnelle, c'est quand tu regardes un malade, tu dis au nom de Jésus, sois guéri. Elle est guérie. Pas demain, à l'instant. La chose qui est extraordinaire, c'est quand tu arrives, comme là sur Zoom, tu dis, Dieu me parle, j'entends quelqu'un ici. Et ce que tu dis se fait avec exactitude. La chose qui est extraordinaire, je te parle, c'est quand tu arrives, tu dis, je vois dans telle date, telle chose va arriver. On va te dire, mais il est fou. Les hommes charnels ne vont pas te comprendre. Mais ce que tu dis arrive avec exactitude. La chose extraordinaire, c'est que tu regardes, tu vois que tes études battent des ailes. Tu vois que tes finances battent des ailes. Et tu dis, au nom de Jésus, je déclare la prospérité et l'argent apparaît. Et les gens sont bénis. C'est là où tu te rends compte que les jeûnes ont payé, que les sacrifices de lecture ont payé, que les prières ont payé. C'est là où tu te sens vivre. Et ça, ça peut t'emmener à retourner. La chose extraordinaire, c'est que même dans le domaine des business, ça s'applique. C'est difficile aujourd'hui. Mais après un moment, tu vas commencer à voir. Plus tu cherches Dieu, plus tes affaires commencent à produire, plus tu pries pour tes affaires, tu pries pour ton business, tu pries pour tes études. Les clients commencent à te chercher. Les hommes d'État, les milliardaires diront, je ne sais pas expliquer, mais quand toi tu maîtresses, c'est comme si on mettait quelque chose sur ma tête. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer. Mais quand tu me fais les make-up,
C'est comme si c'était un ange. Il va te dire, je ne sais pas expliquer, mais quand j'achète chez toi, tu es un peu cher, mais tu as de la qualité. Et puis, quand je viens chez toi, tu sais accueillir les gens. Ce n'est pas ça. C'est parce que spirituellement, la Bible déclare dans Psaume chapitre 1 que celui qui s'est confié à l'Éternel, je paraphrase, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne les fruits en sa saison. Je suis dans Psaume chapitre 1, je ne sais pas si c'est ça, mais il abonde, il se renouvelle, et son feuillage ne se flétrit jamais, parce que tu as la source. Dieu. Mais regarde. Oh, Shadadakin de gauche. La chose qui est extraordinaire, qui est exceptionnelle, c'est que quel que soit ce que tu peux vivre avec Dieu, il y a toujours plus. Avec Dieu, on n'arrive jamais au niveau, au summum, non. Tu peux voir, tu peux guérir les malades, tu peux prophétiser, mais il y a toujours plus que ça. Et vous savez ce qui est plus que ça? C'est le connaître. À chaque niveau, tu as l'impression. Écoutez, toi, tu penses que Dieu ne parle pas comme moi je te parle ici, parce que tu le connais à un niveau. Mais plus tu montes, tu découvres que Dieu est bavard. Plus tu montes, tu découvres qu'il y a plus. Plus tu montes, tu découvres encore un autre univers. C'est la raison pour laquelle, quand on est au début avec Dieu, dans les bébés avec Dieu, on prie beaucoup. Mais quand on arrive à une dimension, on ne prie plus. On écoute beaucoup. Ah, c'est comme un enfant, Quand l'enfant est petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, l'enfant parle beaucoup, il parle beaucoup. Mais quand il commence à entrer dans la maturité, il ne parle plus beaucoup, il écoute beaucoup. C'est parce que elle est niveau. Eh Dieu! Je veux vivre ça. Je veux vivre cela. Je veux plus encore. Holy Spirit, I need more of you. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Il y a plus. Il y a plus. Et tu sais, la chose extraordinaire, c'est que pour vivre ça, tu n'as pas besoin des millions. Pour vivre ça, tu n'as pas besoin de donner des milliards à Dieu. Tu as juste besoin d'être sérieux. Et c'est là où tu comprendras ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est Paul qui dit offrir. Il dit offrez vos corps. C'est là où dans offrir, tu comprends que je ne dois plus regarder les choses impuniques parce que mon corps a été offert. Hey. C'est là où dans offrir, tu comprends. Dans ma bouche, je ne dois plus parler n'importe comment. C'est là où dans offrir, tu comprends que. C'est là où tu comprends qu'en fait, en réalité, je ne dois plus toucher n'importe quoi. C'est là où tu comprends. Je dois éviter les groupes, les critiques et les choses bizarres. C'est là où tu comprends. Je dois être saint pour Dieu. Parce que tu comprends, je suis une offrande. Le plus grand niveau de chrétienté, c'est pas quand tu donnes des grandes offrandes, c'est quand tu deviens une offrande. Aïe, je parle aux esprits. La plus grande
dimension spirituelle et le plus haut niveau de chrétienté, ce n'est pas quand tu vas donner des millions, quand tu vas donner, c'est quand tu deviens. C'est quand tu deviens une offrande. Est-ce que je parle aux esprits? C'est quand, maman Julie, c'est quand tu deviens une offrande. C'est-à-dire, tu deviens. Pendant que tu es au travail, il est 13h. Tu as envie de dormir. Dieu te dit, va prier. Et tu te rappelles que tu es une offrande. Instinctivement, tu vas prier. Pendant que tu es à l'école, tu es là en plein cours, tu ne sais pas. Dieu te dit, à telle heure, renferme-toi, va prier. Tu te rappelles que tu es une offrande, tu vas prier. C'est instinctif. Pendant que tu dors, ce n'est pas ton heure de prière. L'Esprit de Dieu te réveille. L'Esprit de Dieu te réveille à 2h. Et il te dit, va prier. Ça peut se faire par des urines. Tu as envie d'aller te soulager. Tu as envie d'aller au petit coin. Tu as envie de boire de l'eau la nuit. Mais après, l'Esprit de Dieu te dit, prie. Ah, c'est à ce niveau-là. Beaucoup ici expérimentent. L'Esprit de Dieu te réveille. Et il te dit, j'ai envie d'être avec toi. Hé, écoutez, le Saint-Esprit est romantique. Il est romantique. C'est l'être le plus romantique que je connaisse. Le Saint-Esprit est trop romantique. Et si tu connais un homme romantique, le Saint-Esprit est plus romantique que ça. Est-ce que vous savez qu'il dit je t'aime? Est-ce que vous savez qu'il dit tu m'as manqué? Oui, j'ai déjà entendu. Je me souviens une fois, j'étais à Mouila. J'étais au Gabon. Et j'étais à Mouila. J'avais dit à Dieu, réveille-moi. Je n'avais pas mis les réveils. Je n'avais pas mis les sonneries. J'ai dit à Dieu, je ne mets pas les réveils. Réveille-moi à 3h. Et pendant que je dormais, il était 2h. L'Esprit de Dieu m'a dit, Asaph, lève-toi. J'ai dit, non, papa, j'ai encore sommeil. Je vous lève. Il m'a tapé au pied. Un doux aïe. Même quand il va être violent, il est romantique. C'est-à-dire, c'était une gifle. Je l'ai senti dans mon corps. Mais je n'ai pas eu le moindre mal. Ça m'a levé. Et il m'a dit, prie. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est romantique? Et je me souviens, non, je suis en train de, je ne sais pas où Dieu nous amène, mais laissez-moi parler. Je me souviens, une fois, je priais, et un jour j'étais sorti, j'étais allé à l'école ou je ne sais pas où. Et le soir, quand je suis rentré dans ma chambre, quand je rentre dans ma chambre, il y a une présence de Dieu. Et Dieu me dit, tu m'as manqué. Pas les choses que, oh, c'est deux cœurs, est-ce que c'est le grand cœur ou le petit cœur? Non. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il m'a dit ce jour-là, tu m'as manqué. Il m'arrivait des moments où j'étais triste à cause de certaines choses. Et quand je venais près de lui, il me disait, Asaph, je t'aime. Tout à l'heure encore, j'étais en train de prier avant les moments. Il m'a dit, il m'a dit, je t'aime. C'est l'une des raisons pour lesquelles je sais les hommes pourront se lever contre moi. Dieu m'a dit, je t'aime. Est-ce que tu connais ça? Il est plus facile. Il est facile, permettez-moi. Permettez-moi d'écorcher le français. Il est plus facile d'avoir des « je t'aime » des hommes. Mais aussi, j'écorche encore le français. Plus facile de les perdre. Or, il est un peu difficile d'entendre « je t'aime » venant de Dieu. Mais une fois que tu l'as entendu, c'est impossible de le perdre. C'est impossible. Si actuellement, je vais prêcher ça au Gabon, avec ce qui se passe, je suis sûr qu'il ne va avoir des amis. Donne-moi une main. Des amis. Cherche-les.
Cherchez. Comme les blés, cherchons. Et j'ai l'habitude de dire, ici, je suis en train de terminer. J'ai l'habitude de dire, ici, la force de la spiritualité, ce n'est pas l'enseignement d'abord qu'on te donne, c'est l'expérience personnelle. Est-ce que tu expérimentes personnellement les enseignements? Est-ce que tu expérimentes personnellement Dieu? Est-ce que tu as une expérience avec Dieu? Est-ce que... Écoutez, c'est quand tu as touché Dieu qu'un jour, tu peux te retrouver... Excusez-moi de mes propos. Désolé, peut-être je vais choquer les gens. C'est quand tu as touché Dieu que tu sais qu'il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Si l'ennemi orchestre des choses pour te faire tomber, pour te détruire, pour que tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans les choses bizarres, tu vas te rappeler que il y a quelque chose dont j'ai eu du mal à voir, que je n'ai pas envie de perdre, à cause d'une chose insignifiante. Quand tu as touché Dieu, now I'm no longer mine, for the life that I have is Christ, not I. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais qu'on prie ensemble. Si tu peux prier avec moi de là où tu es et dire à Dieu, Père, permets-moi de te toucher et de m'offrir à toi. Dis-le à ton Dieu. Dis à Dieu, Père, permets-moi de te toucher. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Peu importe ton pays, peu importe ton état. Dis à Dieu, Père, permets-moi de te toucher. Je veux plus. Est-ce qu'on peut activer le micro pour ceux-là qui le désirent? On peut commencer à parler avec Dieu. Est-ce qu'on peut parler avec Dieu? Si tu es sur Facebook, prie avec Père, permets-moi de te toucher et de m'offrir à toi. Je veux te toucher.
Come on.
Par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et au-delà, Seigneur, la thématique dans laquelle nous sommes, qui est la notion de combat spirituel, tu as bien voulu, Seigneur, parler de toi. Elohim, que ce message reste dans les annales de notre esprit. Et que chaque soir, il retentit tel un tonnerre à nos esprits, à nos oreilles. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Père, je prie pour ITS. Je prie pour le corps de Christ. Je prie pour tous les chrétiens qui m'écoutent et ne m'écoutent pas. Pour ceux peut-être qui écouteront ce message sur YouTube ou sur Facebook. Que l'esprit de ce message s'enracine en eux. Par la même occasion, je prie pour mon frère, le prophète Emmanuel Nzoma, de là où il est, la voix prophétique du Gabon. Je prie que tu le restaures, que tu le fortifies. Je prie que tu l'équipes, que tu renforces son moral. Qui ne faillissent pas. Par la même occasion, je prie pour l'église synagogue dont il est le leader. Je déclare que c'est toi qui es au-dessus des rois et c'est toi qui établis les rois. Père, l'église sur la terre est l'ambassade
du royaume de Dieu, du Christ. Alors Père, en tant qu'ambassadeur, je décrète et déclare que par rapport à ce dont il est en train de passer, la fermeture de son église, je décrète un décret qui mettront les choses en sa faveur. Au nom de Jésus. Et que toutes les conspirations à son égard soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Père, sors-le de là et relève-le. Relève son ministère. Relève son église. Et que de là où il est là-bas, il reçoit des énergies de fortification, des visitations et des visions. Qu'il ne se sente pas seul. Qu'il ait le soutien de l'Église internationale. Merci parce que tu t'es servi de ça afin d'élever son ministère à une dimension encore autre. Je te bénis. Je prie pour ITS, pour les âmes, les esprits, le peuple qui m'écoute. Nous sommes la réponse à tous les maux de ce monde. Nous sommes impact, transformation surnaturelle. Je déclare que ceci ne soit nullement un slogan, mais que ceci soit une vie, une mentalité, un mode de vie, un comportement, un langage, un style. Aussi, je déclare que l'esprit de ce message soit à ma paix, incrusté auprès de tous ceux qui m'écoutent. Maintenant, je parle. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au-delà du programme, Dieu est le programme par excellence. Au-delà de la planification, il est le meilleur planificateur. C'est ainsi que je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à nous laisser conduire par lui. Alors, en guise d'annonce, je me rappelle que tout à l'heure à 3 heures, nous aurons une heure de prière. Ne manquez pas ces moments et le Dieu de Dieu. Bien. Avant d'aller à la fin, est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages? Vous êtes là, vous avez des témoignages. Vous voulez témoigner, vous avez expérimenté un changement ou quelque chose dans votre vie, vous voulez témoigner. Vous êtes là depuis hier ou depuis le premier jour, vous voulez témoigner. Ok, il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? S'il y a une autre personne? Ok. Donc, Dean, si tu peux nous écrire ça en commentaire, tu nous écris. Tu nous dis si bien sûr c'est possible, étant donné que ton micro a un problème. Si ce n'est pas possible, tu peux nous envoyer ça au numéro secrétarial. Donc, envoie-nous ça. Si ce n'est pas possible de le mettre en commentaire, tu peux le faire par au secrétariat, comme ça demain. Nous allons le passer ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Ok. Ok,
Je ne sais pas si c'est un témoignage, mais depuis que j'ai commencé sérieusement à prier, chercher Dieu réellement, chaque fois que je médite ou prie, il y a une mousse blanche qui sort de ma bouche. Ça, mousse là, c'est compliqué. Ok, je crois en ce qui me concerne que c'est un témoignage, parce que je ne veux nullement négliger quoi que ce soit. Et je crois que c'est un processus encore qui est dans le processus, quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Alors, je te conseillerais de continuer dans cet élan, de prier, de méditer, car un témoignage plus grand de délivrance sera ton partage. Shoncia, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Alors, c'est important de témoigner. C'est important de témoigner. Ne négligez pas le témoignage. Donc, c'est important de témoigner à chaque fois que vous allez observer quelque chose d'extraordinaire. Venez partager cela avec nous, car le témoignage a une puissance. Le témoignage a une puissance. OK. Le témoignage a une puissance. Donc, s'il n'y a plus personne, on va passer à autre chose. Donc, comme je disais, on se voit demain à 3 heures. Les prières de 3 heures, c'est juste pendant les semaines de jeûne et prière. Donc, ensemble, maintenant, après, vous pourriez garder le rythme chez vous. Chaque jour que nous aurons jeûne et prière, nous avons les cultes en soirée et les moments de prière le matin. Donc, quelqu'un qui veut témoigner, allez-y. Bonsoir. Bon, mon témoignage n'est pas long, c'est de bénir le Seigneur pour le message d'hier. David a parlé de la confiance et c'est quelque chose que je vivais avant. Bon, ça fait pas très 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 longtemps, mais en période de jeûne. Par exemple, comme nous sommes en semaine de jeûne, il arrivait que je faisais des rêves. Et dans le rêve, en fait, je mangeais, malgré que j'étais en jeûne, dans le monde, on va dire, un peu physique. Mais lorsque je faisais des rêves, je mangeais, en fait. Je pouvais aller dans un restaurant avec des amis, manger. Vraiment, je mangeais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. Avant, j'arrivais à faire cette différence-là, même dans les rêves, mais j'y arrivais plus forcément. Et après le message d'IA, Dadi a demandé de mettre la main sur la tête et il a prié pour nous. Et la nuit d'hier à aujourd'hui, pendant que je dormais, et là, je me retrouve dans un rêve. Il y avait plusieurs parties, mais c'est quelque chose qui s'est passé parce que dans le rêve, en fait, j'étais avec des sœurs. Et là, on devait aller manger. On devait aller manger parce que, je ne sais pas, on avait eu à faire une activité et on devait aller se changer des idées. Et là, dans le rêve, automatiquement, je dis non, non, moi, je ne veux pas. Et quand je me réveille, automatiquement, j'ai souri et j'ai eu ce plaisir de garder. De savoir que mon esprit a testé, en fait. Ça ne se limite pas forcément à mon corps, mais même mon esprit, même mon esprit, je suis consciente en fait, que... Donc, je bénis le Seigneur pour ça. C'est quelque chose que j'avais perdu, mais par la prière d'hier, par le message d'hier, j'ai pu être restauré. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Wow. Bien, nous avons parlé de la conscience. Wow, je suis sûr qu'il y a beaucoup de témoignages. Alors, n'hésitez pas à chaque fois. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a des enseignements sur
Facebook, nous sommes en live sur Facebook. Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez sûrement des témoignages. Envoyez-les nous au numéro secrétarial qui est le plus 221 77 448 70 96. Plus 221. Donc, si vous êtes à l'international, vous mettez le plus 221. Vous nous écrivez par WhatsApp. Donc, nous serons disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se voit demain, comme annonce, à 3 heures. Et après, on se reverra pour notre culte le soir. Alors, préparez vos offrandes, toutes les personnes qui ont leurs offrandes. Donc, si vous l'avez dans votre Wave, dans votre compte Orange Monnaie, dans votre compte RTL Monnaie, préparez vos offrandes. Je vais prier. Donc, le fait qu'on soit en ligne n'exclut pas le fait que vous devez apprêter vos offrandes. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Donc, même si on est en ligne, quel que soit le pays dans lequel tu es, en France, en Chine, apprête toujours ton offrande et après contacte-nous. Donc, peut-être il y a des gens qui n'ont pas, vous désirez le PayPal. On a un PayPal. Donc, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Ceux qui veulent à l'international faire des envois via PayPal, c'est possible. Vous nous contacterez et nous vous enverrons le PayPal. Donc, préparez vos offrandes. Lève tes mains. Si tu as préparé ton offrande, lève tes mains. Je vais prier de là où tu es. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes les personnes qui ont apprêté leur offrande. Je décrète et je déclare que l'esprit de ce message s'attache à eux au nom de Jésus. Étant donné qu'ils ont respecté le principe selon lequel on n'entre pas dans ta maison les mains vides, je prie que tu les bénisses et que leur grenier ne manque jamais de pain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, prions pour notre frère, notre prophète. Vous savez, je vais terminer avec, et après on va prier pour la fin. Il faudrait reconnaître des choses. Au-delà de tout ce qui se passe, il faut reconnaître qu'au Congo, quand on parle des prophètes au Congo, on voit le prophète Joël, on voit le prophète Joe Grace. Il y a beaucoup de figures prophétiques au Congo. En Côte d'Ivoire, il y en a. Même au Cameroun, il y en a. Même, je crois, au Togo et au Bénin, si je ne me trompe pas, récemment, j'en ai vu, il y en a. Il y a des figures prophétiques. Même quand on va aux États-Unis, il y a des figures prophétiques. Mais au Gabon, on n'avait pas de figures prophétiques. Il y a des hommes de Dieu puissants au Gabon qui sont cachés. Mais Dieu a permis que nous puissions avoir une figure prophétique. Je ne dis pas un père, je dis une figure prophétique. C'est une bénédiction, c'est un honneur pour le pays qu'on appelle le Gabon. Et ça donne à l'Église un autre blason. Autant pour moi, à la nation, un autre blason. Il y a des gens qui ont connu le Gabon à cause de la figure prophétique. Des choses qu'on ne voyait pas. Hier, on voyageait seulement pour aller au Congo. Hier, on voyageait pour aller en Côte d'Ivoire. Hier, on voyageait pour aller au Ghana. Hier, on voyageait pour aller en Afrique du Sud. On a commencé à expérimenter les voyages pour aller au Gabon à cause d'une figure prophétique. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, c'est vrai. Mais reconnaissez qu'un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Je nous encourage, Église, prions pour notre homme de Dieu. Quelle que soit notre dénomination, Alliance chrétienne, Bethany, Shekinah, Pentecôte, quelle que soit notre dénomination, ITS, nous sommes à ITS. Prions pour l'homme de Dieu. Prions pour le prophète Emmanuel Nzoma. Et s'il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent, n'oublions pas que ce qui peut arriver à une personne peut nous arriver. Quel que soit ce qu'on dit, sagesse ou manque de sagesse, peu importe. C'est d'abord un enfant de Dieu. C'est d'abord un patriote. C'est d'abord
un fils de la maison et il se doit d'être soutenu. On doit le soutenir. Homme de Dieu, de là où nous sommes, prions pour le frère. Église, priez pour votre prophète. C'est le message que j'avais à dire. Prenez-le, partagez-le à plusieurs. Nous sommes dans une phase, c'est là où on a besoin de l'unité de l'Église. Pierre a été arrêté, l'Église a prié pour Pierre. Je ne veux pas rentrer dans tout ce que vous, peut-être, vous connaissez, nous sommes tous sur la toile, mais il mérite le soutien de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alors je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous garde. Et que cette nuit soit une nuit sécurisée et sécurisante, ce qui vous concerne, et dans vos rêves et physiquement. Que vous soyez conscient et consciente de votre identité, conscient et consciente dans vos rêves physiquement. Et que le désir d'être la meilleure amie, le meilleur ami du Saint-Esprit puisse être votre partage. Ainsi j'ai parlé dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous, bonne soirée. On se voit demain. Bonsoir. In the past.